Vous êtes au courant, le premier rang. Vous savez où vous êtes, hein, vous êtes... Elle a une surprise, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, attends, là. Madame, premier rang, il déguste sa mère. Ah oui, 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 madame, ça va déguster. Mais ça va pas démarrer par vous, on va démarrer par là, allez. Vous êtes échappé d'un monastère ou quoi? La vie de ma mère. C'est deux assistants de moines tibétains au premier rang. Non, retournez-vous, faut vous retourner les frères. Mettez, namasté, mettez-vous debout. Et il a une jupe, le fils de... Un écossais arabe. T'es pas prêt? D'où vous êtes sortis, les gars? Vous êtes trompés de spectacle. Ouais. Les hommes en jupe, c'est farine, normalement, c'est pas... Vous êtes trop beau, vous êtes magnifique. Vous faites quoi dans la vie, les frères? On est musicien, du coup on est chômeur. Musicien, chômeur? Non, intermittent du spectacle, c'est mieux. On essaye. Telle intermittence, si vous manque des cachets. Ça, c'est un rire très mauvais. C'est un rire comme ça, contre-temps, très mauvais. C'est quoi ton prénom? Rudy, hein? Jafar. C'était sûr. J'ai pas mieux, Jafar. T'es trop beau. Jupe écossaise, c'est magnifique. Vous êtes magnifique. Lui, il est dégoûté. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais là, moi? C'est ma femme, elle a pris les places. Je voulais pas. Comment vous appelez, monsieur? Felipe. Ça va, Felipe? Ouais. C'est deux salles de ambiance. Ça va. Tu fais quoi dans la vie, Felipe? Tu n'es pas musicien, toi, ça se voit. Tu fais quoi, Felipe? Moi, je suis maçon. Maçon, ouais, t'as la voix d'un mec à travailler dur. Ouais, je suis maçon, tous les jours, je monte des murs. Ça va, Felipe? Et madame Felipe? Je suis assistante commerciale. Super, Valérie, super. T'es venu avec Felipe et lui, et c'est un pote aussi. Ouais. C'est, comment vous appelez? François. Ça va, François? Très tu vas bien, François? Tu fais quoi dans la vie? Je suis courtier. Courtier, super. Assurance? Non. Banque? Crédit? C'est toi qui... C'est lui qui... les gens, c'est lui. C'est François et madame François. Chantal. Ça va, Chantal? J'aime bien un prénom, Chantal. C'est la France, Chantal. Chantal Goya. Ce matin, un chasseur a tué un lapin. Chantal, tu fais quoi dans la vie, Chantal? Assistante commerciale. Assistante commerciale, ça va. Ouais. Ouais, les femmes, elles ont le même métier. Elles sont connues au... Non, même pas. Bon, c'est bien, c'est super. Bonsoir, madame, ça va, vous allez bien? Comment vous appelez? Vanessa. Ça va, Vanessa? Ouais. Oh, Vanessa, je pense à toi, j'ai les... Waouh, il y a des fans d'Og Gynéco, quelle ambiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est bref. Ça va, Vanessa, tu... Elle n'a pas la référence, regarde. Il a dit mon nom, ils se sont mis à chanter, j'ai pas compris. C'est une chanson de Doc Gynéco. Tu rentres chez toi, tu tapes Doc Gynéco, Vanessa, parce qu'il était fan de Vanessa, Paradis. Donc à l'époque, il avait fait un album qui avait cartonné, mais c'est que pas toute la salle, c'est que les gens d'une certaine génération, on a déchiré la salle en deux. Il y a les fans de Doc Gynéco et les gens qui s'en battent les c*** de Doc Gynéco, on a les deux ce soir. Tu fais quoi dans la vie, Vanessa? Assistante commerciale. Excusez-moi, les assistantes commerciales, mais ce soir, vous avez pris le pouvoir. Et vous êtes copine avec les autres ou... Ouais, super, magnifique. Donc du coup, toi, je sais ce que tu fais comme métier. Assistante commerciale aussi? Non. Non. Faites quoi? Claire de notaire. Claire de notaire. Hey. Aïe, aïe, aïe. Du coup, là, elle a un vrai job. Ouais, c'est... Elle vend du café, elle a fait signe des trucs. Elle a... Je suis clair de notaire, elle les a regardés. Alors les. Il y a un manque de respect dans son clair de notaire. Allez. Qui dit mieux? Vous avez perdu les autres, hein? C'est quoi ton prénom? Sandrine. Bravo, Sandrine. Vous êtes venu avec monsieur? Oui. Du coup, vous êtes madame. Vous. Madame. Oui, madame, oui. C'est elle qui a le job, c'est elle qui a les cojones, hein? Elle est notaire, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le bâtiment, dans la maison. Ouais, c'est bon. Il s'est plu, allez. Ouais. T'es avec Felipe, toi. On t'a sauté à toi, frérot, t'inquiète pas. Jérôme. Ça va, Jérôme? Ouais, ça va. Oui, c'est moi, Jérôme. Vous me reconnaissez? Ah là, on a perdu tout le monde, là. C'est Jérôme. Tu fais quoi dans la vie, Jérôme?
Chef de projet. Chef de projet. Quoi comme projet? Des pylônes. Des pylônes. Ouais. Tu vends des pylônes? Mais c'est qui achète des pylônes en France? Qui? Mais c'est ça que je veux savoir. Il vend des pylônes, le mec. Normal, ouais, je vends des pylônes. On a vendu 12 ce matin. Qui achète des pylônes en France? SFR. SFR, ils achètent des pylônes pour mettre les antennes? Voilà. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est bien, c'est bien. Mais moi, j'avais jamais entendu ce genre de métier. Pylône. Assistante, oui, mais pylône, non. Ouais, ça fait plaisir. Bonsoir, madame. Ça va? Vous me faites penser à un mercredi. Vous connaissez mercredi ou pas? S'il vous plaît, levez-vous juste pour qu'il voit, parce que non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, madame. Voilà. Ça va, Wednesday. Mercredi, c'est quoi ton prénom? Tatiana. 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 Pas Tatiana, Tatiana. C'est ta mère, elle zouzotait ou c'est... Je connaissais pas. Et voilà des blagues faciles comme ça. Tu fais quoi dans la vie, Tatiana? Dessinatrice. Oh, mon rêve. Moi, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais petit. Je faisais des caricatures, je dessinais les autres, mais en dégueulasse. Je passais le dessin en classe et tout le monde rigolait. C'était mes premières blagues. Je dessinais. Tu dessines quoi comme... En bâtiment. En bâtiment? Ouais, c'est plus... Ah, je pensais Spirou, des trucs de fou. Ouais, je dessine des bâtiments, c'est bien. C'est très bien. Et ça, c'est monsieur Tatiana? Ouais, exactement. Comment vous appelez, monsieur? Joël, ça va Joël? Bien. Tu voulais pas être là toi. Tu fais quoi dans la vie Joël? Je sais pas. T'es peintre? Ouais. Mais c'est bien, dessinatrice, peintre. Peintre des tableaux ou peintre en bâtiment? En bâtiment. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Tu t'attends à Picasso, mais non. Face à Dieu, c'est bien. C'est bien. Monsieur à côté? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous appelez comment? Ça va, José? Portugais? À tous portugais? Ouais, ouais, mais... Tout ça, Portugal? Non, ça s'arrête là-bas, à Katmandou. Là, ah, tu mets la barrière ici, tu mets la barrière ici. Tout ça, Portugal, ça fait plaisir, ça fait... Ouais. Non, ça fait... Portugais en force. Vous faites quoi, monsieur? Garagiste. Garagiste, ouais, c'est bien, c'est très bien. C'est un beau métier, mais... un homme de confiance, tu sais. Et madame? Paula, ça va Paula? Paula aussi. Paula, très très beau prénom Paula. Portugaise aussi. Vous faites quoi dans la vie Paula? Assistante commerciale. Vous êtes fait un code assistante commerciale en vrai? Ça fait plaisir le Portugal. Bon, vous n'êtes pas portugais. Mais non, ça c'est des Marseillais. Mais non, frérot, le sang des Marseillais. Ça va? T'es parisien? Eh bien, tu m'as fait un nada. 5 minutes, tu regardes le spectacle, il se transforme, le mec. Comment tu t'appelles? Yes. Yes. Yes, très beau. Tu es venu avec madame. Comment elle s'appelle, madame? Linda. Linda, tu fais quoi, Linda, dans la vie? Mère au foyer. Mère au foyer, très beau métier. C'est plus... Elle est comme ça, avec une bague à 4 millions, mais ça, c'est mère au foyer. Regarde bien la bague, fils de p***. Elle est sartée que la bague, hein. Eh oui, c'est Lies qui a payé la bague. Tu fais quoi dans la vie, Lies? Recruteur comment? De chauffeur SPL. De chauffeur SPL, c'est bien. Et comment ça se fait la bague? On veut tout savoir, frérot. Tes recruteurs, c'était sa vie d'avant? Ah ouais, là, ça avait... Bon, bref. On ne veut pas savoir ce qu'elle faisait dans sa vie d'avant, elle, hein. Psartek, hein. Mais c'est... Elle frime encore, elle est comme ça, quand même. Bon, bref, elle brille, hein, c'est une vraie, tu peux voir, hein.